Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue dans l'ombre du Mordor. Aujourd'hui, on va tenter de faire face. Non mais calmez-vous. Non mais quel est ce merdier? Non, au secours. Non, tirez-vous. Disais-je donc, aujourd'hui nous allons donc faire face à une confrontation tribale de la tribu du massacre où un capitaine cherche des emmerdes et va en trouver auprès de Talion. C'est parti. Ça c'est ce que j'appelle un massacre. Il a même une musique assez métal. Boum. Alors ça déjà c'est pour son poupée et ça c'est pour lui, donc il est au sol. Ce qui somme toute lui servira bien de leçon. Oula. Belle parade de sa part, petite esquive. Il brûle bergère, rentre tes blancs moutons. On le gèle. On part les attaques du poupée. On part les attaques du minable. On double gèle. Ah putain, je me fais toucher dans le dos. Tac. Non. Putain, il a repagné de la vie. Ah là 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 là, je me fais défoncer alors que je suis sous une malédiction. Et il me massacre. Parade dans les flammes au milieu de la forêt alors qu'il s'adapte l'enfoiré. Et il part dans une frénésie bestiale, je ne sais pas ce que c'est, mais ça n'a pas l'air très bon. Ouch. Oh la vache. Oh la vache, il tape dur. On va donc jeter des couteaux à l'infini. Ça va, il s'est adapté. Il les esquive, parce qu'il est adapté, mais je peux interrompre ses attaques. Voilà, et le forcer à temporiser. Raté. Doublement raté. Le sang va couler. Oh là 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 là. Pas mal ça. Bon combo. Il va être mis au sol. Il n'est même pas mis au sol. Oulia. Et on peut l'achever. Soui. Et c'est fini du cuisinier. Il serait bien entendu avec le goinfre, c'est dommage. Excellent. D'accord, donc c'est juste en fait des quêtes. Gare le mange-visage. Il y a un mec qui s'appelle le mange-visage, c'est chelou quand même. Et donc en fait voilà, c'est ça les fameuses quêtes DLC qu'on vous offre après un Season Pass hors de prix, braves gens. C'est des nouveaux personnages qui apparaissent de n'importe où, que vous pouvez recruter ou buter, qui au final ne vous apportent, finalement à part quelques armures un peu stylées, je l'accorde pas grand chose. Quoique ce glaive est cool, hein. Épée de Rovagnon de Scott lui. Exécuter un ennemi, 5 ennemis du coup. Coup rechargé lors d'une exécution. Ouais bah ouais, bon bah. Ouais, j'avoue, le glaive est sympa. Je préfère le fait de mettre le feu à mes adversaires. Est-ce que je peux avoir ça, d'ailleurs? Ou est-ce que je l'ai foutu? 39% de chance d'enflammer la cible. Voilà, très bien, ça. Je préfère mettre le feu à mes adversaires. Mais bon, j'imagine que c'est festif. Ça vous donne des glaives sympas. Mais c'est sans importance. Aujourd'hui, on va s'intéresser au destin de Carnahan. Et ensuite, on ira voir ce qu'on peut faire pour les gens du Gondor. Allons-y. Alors, la mille feux des nénuphars, elle est où? Elle est où? Tu as beaucoup perdu. Tu coucounes? Il y a longtemps... Parle plus fort, je suis dur de la feuille. Targoroth fut enterré par Carnan, à l'ombre du destin. Hélas, ma forêt fut détruite. Mes jeunes perdus. À nouveau, le feu est enfoui, loin sous la glace. Et après la mort, vient la vie.
Il y avait un Uruk à Gorgoroth. C'est... Zog. Zog. Le dompteur de Targoroth. Il sème la mort. Ranime Targoroth. Ranime les orques. Un nécromancien. Il est proche. L'air est empli de magie orque. Il est doué. Il est très rusé. Il déferle tel une vague. Ignoble, rongé, gavé de mort. Ils viennent pour vous. Très bien, on va leur en donner. Sur mon honneur, nous le retrouverons. Et vengerons ton sacrifice. Arrêtez ces monstres ou rendez-leur la mort. Souillez cette terre. Maudit est le Créateur. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On reste planté là comme des glands ou... On va semer la mort comme elle l'a demandé. Vite! Celui qui parle aux morts est proche. Ah, c'est pas la même actrice, mais pas de soucis. Allons-y, de toute manière, ils vont juste récolter ce qu'ils ont semé. C'est-à-dire moi! Zouep! Bête tourmentée! L'âme contre chair, finissons-en! Une créature immonde. Tac 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 tac. Oh! Oh, j'ai raté mon slide! What, des orques zombies? Je peux les slider? Sliding! Oh oui! Ouch! Oh putain, et je peux pas contrer leur attaque non plus. Ils sont déjà morts. Laisse-moi du temps, Gilbert. Bon. Aussi, accessoirement, on va juste changer... Voilà. On va passer à ça. J'aurai moins de puissance, mais au moins, elle restera définitivement. Permettra de conserver une attaque instantanée lors du prochain combat ou quelque chose. Il faut purifier les totems de nécromancie. Ah ! Ensuite, nous pourrons arrêter le rituel. Ah bah super! Il faut éradiquer ce fléau. Pas de soucis, je sais comment ça marche! De plus en plus près! À quoi sert un Balrog quand on a des morts vivants? Un Balrog aurait prouvé à tout le monde dans le Mordor qu'on est les plus forts! Les morts vivants s'en chargeront. Plus il y a de morts, plus on devient fort! Ah ah, c'est pas très malin comme logique, mon grand. Attention. Oh, oh. Oh non, la fin! Nous sommes là! Là! Comme on se retrouve? Je m'appelle Zog, et je t'observe depuis quelque temps déjà. C'est toi qui as inspiré tout ceci. Quoi de mieux pour exterminer un homme mort? Qu'une grande légion d'orques morts-vivants. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, si tu veux, à mon avis, mais enfin bon. Ouh là 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 là. Instantané. Oh là 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 là, il me maudit. Anti-saut. Je rate mes petites flèches. Je sais, j'y travaille. J'arrive pas à me concentrer avec ces malédictions à la con. J'ai... Oh là là, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Malheureusement... Je vais pouvoir t'arrêter le sang. Prêt à mourir. Es-tu prêt à
détente ici. Je suis en grande difficulté, je me fais toucher après une roulade. Mais putain. Ah, il est en tissot, putain. J'arriverai juste pas à le franchir. Ah, il m'achève une dernière fois, je suis fini. J'ai pas de sauvetage. Alors, est-ce que un orque mort-vivant... Les vivants suivront les pas des morts. Et le nécromancien les ramènera pour obéir à ses ordres. Cela te semble-t-il familier ? Bon. Stratégie. Je ne peux pas vaincre les morts-vivants puisqu'ils se relèvent tout le temps. Je n'ai pas le temps d'absorber le totem puisque Zog me casse les couilles. Et il est particulièrement fort. Sert à Balrog quand on a des morts-vivants. Les morts-vivants. Ce que je peux faire... Voilà, c'est tenter de le prendre par surprise. Voilà. Il me fait des chocs quand même. Voilà, une petite parade. Il m'a touché quand même, il m'a fait vachement mal. La chope passe. Il est anti-saut, même si je voulais pas sauter. Donc ça va être une question d'attrition. C'est une guerre d'attrition. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas contre nous que tu luttes, Rodeur. Mais contre l'avenir en marche. En marche ! Les morts s'approprieront le Mordor. Et personne ne pourra nous arrêter. Toi aussi, tu es un fan de Brigitte ? Ça va être une partie de plaisir. Normal, tu es nécromancien ! Bon. Du coup, il y a encore du zombard qui se relève. Écoute, il existe une méthode, voilà, pour vaincre les zombies. C'est tout ? C'était tout ? Ce Zog est dangereux. Ses acolytes peut-être plus encore. Il faut les retrouver, où qu'ils se trouvent. Mais c'est tout ? C'était juste ça que j'avais à faire ? Ah bah putain, et je suis mort comme un sac. Bon bah écoutez, j'avais stratégé un minimum, mais je me suis fait des bontés. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Zor cherche à ressusciter les archers. Donc pays de la lave et pays... C'est où ça ? Siritungol, d'accord, chez les araignées. Très bien. Qu'est-ce qu'on a encore à faire là où on se trouve ? Absolument rien. Dans le pays de la neige, il y a deux quêtes à faire. Pays des araignées, une quête à faire. Pays de la lave, une quête à faire. Bon, et bah écoute, dans ce cas-là, on est au pays de la neige. Il n'y a pas de raison. Hop. Ça, c'est la neige. Voilà, c'est là. Il faudra faire le ménage aussi. Hein. Récupérer les Itildines. Faire le tour. Récupérer les Biniou. Tellement de choses à faire. Et le truc, c'est que j'ai pas envie de le faire en off parce que à chaque fois, il y a toujours des petits morceaux d'histoire qui valent le coup. Ou des choses comme ça. Enfin bon. On a deux quêtes qui sont juste l'une à côté de l'autre. Allons-y. Bon, en même temps, c'était leur projet. Hein. L'orque mort-vivant, il me pose un problème en arc. Hein. Il y a sa tourelle, je l'admets. Les orques qui se relèvent, mais surtout qu'on ne peut pas contrer, qui attaquent avec A, t'es obligé de les esquiver. Lui qui était anti-saut, donc dès que t'as plus de focus pour lui passer au travers avec les eaux de la Lorient, c'est baisé. Non, je l'ai eu là, mais j'ai eu de la chance en fait. J'ai eu de la chance. Parce que du coup, je réfléchis, mais j'ai pas d'armes. Ou alors, il faut que je triche. Pas que je triche, mais vous voyez ce que je veux dire, il faut que je sois plus intelligent et que je stratégise. Enfin bon, allons aider notre ami l'elfette. Téléport.
Parfait. Quoique, attends, on est dans le pays de neige. Il nous faut une armure de neige. Oui, moi j'aime la cohérence comme ça. Une armure de neige. Oh, c'est très bien ça. Est-ce que je peux avoir une cape qui va avec? Une grosse cape moumouteuse? J'ai pas assez de cape moumouteuse, hein, mais une cape blanche. Ça fera le taf. Voilà. En plus, elle est légèrement bleutée. Elle s'accorde parfaitement bien. J'aime beaucoup. Eltaria, elle trouve un messager qui détient les informations sur les élus. Collaborer avec elle pour savoir ce qu'elle est. Pour savoir ce qu'elle sert. Collaboration, moi, c'est un mot qui me... Allons-y. Attends, alors avant même d'aller voir Choupette. Vu qu'il n'y a personne, faisons le tour du bâtiment et servons-nous. Je veux dire, il y a un Itildine juste là, il n'y a pas de raison. Alors, qu'est-ce que ça dit? Doren. Moi, j'ai lu Payade, mais tu vois ce que tu veux. Nous avons encore un verre à intercepter. Et quel message transporte-t-il? Des ordres invitant 3 capitaines au rituel des élus. Il va passer par ce camp. Eh bien, il risque de le trouver étrangement vide. Bon. Oh, un autre Itildin. Triompher des orques du camp. J'ai besoin de le faire discrètement ou pas? Parce que somme toute... Ça marche bien, tu vois, comme strat. Et puis tu cumules. Petit cumul des mandats, là. Voilà. Voilà qui devrait les occuper stratégiquement pendant un moment. Itildin, par contre, est juste là. Ça, c'est un problème. Oula! Bonjour! Puis-je vous introduire à mon coupé? Attends, voyons voir. Roy! Très bien. Alors, l'idéal serait qu'il soit avec nous quand même. Allez! Voilà! Ça, c'est juste pour être sûr. C'est bien. Donc, continuons à faire le ménage. Ouh, des infos. Attends, les infos. Regarde les infos. Capitaine inconnu qui se batte. Donc, ça, c'est très bien. Capitaine inconnu qui tient une forteresse. Oh. Mais, Gubu le cavalier de fer. C'est qu'il est sexy. Depuis vos interrogatoires, Févère voyage sous escorte. Je vais prendre de la hauteur pour éliminer les gardes. Non, pas tous. Nous verrons, Robert. Nous y voilà. Les voilà. Vous ne les voyez que maintenant? Ce sera plus facile que prévu. Ah, d'accord, c'est un concours. Zouap! Allez, 4-0 Eltariel. Faut pas dormir. Il compte pour moi. Tac. Boum. Une rune céleste. Raté. Ah oui, je l'ai payé celui-là, mais c'est pas grave. Tac! On va lui mettre 10 à 1, elle va pas comprendre. On les massacre. Et voilà! 13 à 1! Et encore, je t'en ai laissé un pour te faire plaisir. Nous devons découvrir ce qu'il sait. Vous décidez qui je dois épargner? Récupérez les informations, c'est tout. Ah. Oui, je voudrais l'interroger, c'est possible? Non, je peux pas, d'accord, il est pas considéré comme un verre, faut juste l'épargner en fait. Très bien. Bon, ce sera facile. Nous
Boum, un bouclier. Voilà, il ne reste que lui. Allez. Où sont les capitaines qui doivent devenir des élus? Ils viennent du fort! Ils seront bientôt là! Oh non, pas le fort! On n'en voulait pas du fort! Je crois que nos amis ont hâte de nous rencontrer. Bien! Après tout, ils n'en voulaient pas du fort, il faut le comprendre. Un autre est-il digne, mais décidément? Allez voir! J'ai lu pas mad, mais pourquoi pas. Oulala, 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 oulala. Goubou. Goubou le cavalier de fer, bah ça tombe bien, on le cherchait lui. Grom. Grom le Punisher, oh merde. Il a même un masque, enfin il a même le... Il a même la tête du Punisher avec le crâne sur le visage. Malhabile et vulnérable à la furtivité. Très bien, donc ça c'est très bien. Ouch. Merde, c'est pas lui que je voulais. On va être obligé de s'approcher. Voilà. Borgu, le tueur de Drake. Ils sont tous malhabiles. Rondeur ! T'as décidé de t'en prendre au mauvais capitaine ! Car nous avons été choisis par les Nazgûl eux-mêmes. Et quand ce combat s'achèvera, tu regretteras de ne pas avoir eu affaire aux Nazgûl. On va le crever. Commencez à compter. Très bien. Joli la chope, hop. Tec, tec. Et bouop. Alors toi qui m'attaques à distance. Oh, bien joué. Enchaîne. Tu vas voir ce que tu mérites. Tout ce que tu mérites, c'est la honte et le manque de respect. Voilà. C'est juste pour varier les plaisirs. Bah ce serait dommage de te décevoir. Je vais m'assurer de faire en sorte qu'aujourd'hui tu sois choisi. Tu seras mon élu. Suis-moi et bats-toi pour le maître de lumière. Bats-toi pour le peintre. Rejoins l'armée de la lumière. Ma vie pour ta cause. Très bien, excellent. Bas en retraite. Je pars. Je pars. Les Nazgûl s'en souviendront. Et j'en fais de même. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part sinon dans mon armée. Tu es à mon service. J'exécuterai chacun de tes ordres. Je déconne, je ne tolère pas les lâches. Ça fait trois capitaines qui ne seront pas des élus. Mais il y a beaucoup d'autres recrues pour prendre leur place. Nous ciblerons tous ceux qui seront choisis. Faute de pouvoir arrêter les Nazgûl, nous les ralentirons. Victoire! Bon. Et je vais changer de cap parce que ça ne va absolument pas avec le design argent de mon armure. C'est fou, il n'y a pas de cape vraiment blanche. Quoique une cape noire comme ça avec des rebords bleus. Fais voir. Ça marche, mais c'est pas...
C'est sympathique, vous voyez, mais c'est pas transcendant. Oh well, ça a quand même son petit genre, ça fait plaisir. En tout cas, là, il y a des gens qui ont des ressources. Double ressource. Triple ressource. On a tout gagné. Ok. Quelle est cette quête au centre? Où suis-je d'ailleurs? Terminer des quêtes, voilà, c'est la prise de Kagukor. Ok, très bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on a récupéré quasiment pas tous les itildines. Mais on a récupéré 1, 2, 3 itildines. Ce serait sympa de faire juste le petit détour pour les choper les itildins. Parce qu'en plus, c'est juste à côté. Ouais, putain, c'est juste à côté. Ouais. Oh là là, on a tout gagné en fait. Donc oui, faisons ça. Récupérons les 3 itildines afin d'ouvrir les portes du Galgul ou du Galgals ou je sais plus quoi. Attends, c'est pas le mauvais côté. Si, hein, c'est le mauvais côté. Hein. C'est complètement le mauvais côté, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Tout va bien. Ouh! Ça fera toujours autant rire. Je suis désolé. Je sais que c'est puéril, mais Dieu que c'est drôle. Ah là, c'est toc, ou joc, ou coq. C'est marqué coq, hein. Louia. Ok, Louia. J'ai arrêté d'essayer de comprendre l'elfique, les enfants. Ok, donc là, c'est facile, c'est juste derrière la forteresse, quoique. Ah, moi, cette espèce de petit coup d'épaule en courant, c'est un régal. Je ne m'en lasse pas. Ce n'est pas au-dessus, donc c'est forcément en dessous. Soyons raisonnables. Libérons ce Grog afin de changer un petit peu l'organisation de toute la logistique du lieu. Ce serait pas drôle sans un Karagor en plus. Voilà. Du coup. C'est quoi ça en bas qui brille en blanc? C'est des œufs de gueule ou des œufs d'araignée? Des œufs de gueule, très bien. C'est des gueules, ok. Hop. Tildine qui est juste en dessous de nous. On y est. Impeccable, la diversion a fonctionné. J'ai lu back ou cap. Enfin. Ouh, attends, un artefact gondorien juste à côté. Ce serait bête de ne pas saucer. Surtout qu'il est quasiment disponible. Où est-il? Moi qui suis en dessous. Ou alors il doit être... Oulala, du calme monsieur. Ah putain, je peux pas monter. Je ne peux pas monter le passage de glace. Il faut que je me surélève. Pardon. Excusez-moi. Il sonne l'alarme. Et merde. La situation dégénère à une vitesse folle. Où est-ce qu'il est ce... Putain, il n'y a pas de caverne en dessous. Non, vous voyez, c'est là. Hein. C'est là. Hein. Pas d'orques. J'ai peut-être une méthode, mais ce serait risqué. Non, ce serait trop loin, je pourrais jamais m'y téléporter. Il est revenu. Il est juste en face, là. Oh. Juste en face, ou alors c'est tout en haut. C'est tout en haut, il faut partir, genre partir de là en fait. D'accord, bah c'est sans doute ça. Oui, regardez, vous avez vu la hauteur? La hauteur est considérable. Considérable et inconsidérée, je pense que c'est le seul moyen. Donc récupérons juste cet artefact gondoréen là qui traîne juste sur le haut de cette tour. Et allons récupérer l'Itildin et on sera bien. Oh, c'est quoi ça? Je n'ai jamais vu Dwarg, mais les livres et les chasseurs m'ont beaucoup appris. Les gobelins du Nord les montent comme les hommes du Rohan montent leurs chevaux. Leurs hurlements s'entendent à des lieues à la ronde, et leurs sens sont assez développés pour traquer un rôdeur.
Mais ce qui les rend si terrifiants, c'est qu'ils chassent en meute d'au moins une douzaine d'individus. Les Karagors sont plus dangereux, mais ils se déplacent en plus petits groupes, ce qui n'est qu'une maigre consolation. Les Wargs, c'est les gros chiens, hein? Ceux qui font tomber Aragorn dans le trou. Les Wargs. Heureusement qu'il n'y en a pas au Mordor. Même une meute d'Wargs aurait du mal à survivre ici. Il n'y a pas de grand méchant là, par ici? Sauvez-moi! Non. Pas de grand méchant dans le coin, il faut juste aller récupérer les Tildin dans la forteresse. Pour ça, il faut escalader fort et loin. Navré, hein, j'escalade à donf. En même temps, c'est vachement haut. C'est vachement haut, putain. Voilà, très bien. Boum. Et il est juste là. Super, je l'ai. Voyons voir. Je vais pas dire ce que j'ai lu sur celui-ci. Je tiens à la monétisation de ma vidéo. Donc... Qualitatif. Où est le Galgal? Il est où le Galgal? Il est pas quelque part le Galgal? Est-ce que j'ai pas repéré le Galgal? C'est peut-être là. Galgal, atteignez le Galgal. Ce point de déplacement rapide n'est pas encore atteint. D'accord, pour ça il faut que je passe apparemment dans la montagne. En faisant le grand tour peut-être? Oui, il y a l'air d'avoir une entrée à partir du lac. Donc allons-y. Ok. Téléportation, est-ce que ça passe? Je spam. Non. C'est dommage. Et on peut pas s'élever au-dessus. Ça serait tous réduits en cendres instantanément. Ordre du chef suprême. Je sais qu'il adore voir ses ennemis exploser. Salon. Ok. Hop. Yop. Sur la route, en plus, on va récupérer un artefact gondoréen. Donc ça, c'est toujours confort. Oula. Où ça, l'artefact? Juste au-dessus. Pardon les gentilles araignées. Oui, vous êtes des araignées. Ça ne change rien. Voilà. Dans un vieux tonneau pourri. Super. Voilà. Oh. Je n'ai jamais osé briser le sceau de ce parchemin, bien que j'en ai souvent eu envie. Je l'ai trouvé dans une boîte poussiéreuse portant la mention « Carte des routes commerciales Sudron ». Baranor est à Radrim. Il pourrait donc s'agir d'une carte de son pays. Briser le sceau est un privilège réservé au seigneur du Gondor. Et même si la curiosité me tenaille, je sais que mon père ne serait pas d'accord. Quelle connerie! Enfin, d'habitude, oui, c'est joli, c'est bien, c'est la loyauté, c'est tout ça, ou autre. Mais vous pensez pas que la situation... Non? Si? T'es-tu déjà rendu dans les terres du Sud? Je n'y vois guère d'intérêt. Et rares sont ceux qui en reviennent. Wouah, il m'a bouc! Ah, j'ai entendu cette petite babiole te souffler quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle t'a mis en garde contre moi? Le punisseur! Pour cette embuscade, un bon point. Mais sinon, je croyais que t'étais un élu! Et pas un minable! Il semblerait que j'ai eu tort! Mais tu pourrais peut-être me rejoindre dans mon armée! C'est un honneur! Un honneur pour moi! Mais pour toi, ce n'est rien! On ne peut pas dire qu'il ne l'a pas mérité. Qu'ils servent d'avertissement pour ses pairs. Parfaitement. Très bien.
Alors, le Galgal, pour l'atteindre, il va falloir que je passe par la gauche. Non, mais ça, c'est une montagne, ça ne mène que là. Donc non, il faut que je passe par la rivière, vraiment. Voilà. N'empêche, il m'a traqué, hein. Il a attendu que je récupère la babiole pour m'agresser, ce qui était un bon plan de sa part. Juste que son erreur, c'était de croire qu'il avait la moindre chance. Oula. Ne fais pas attention, bonjour. Gentil, gentil, gentil. Sage. Sage. Il est sage. Sésame, ouvre-toi. Très bien. J'ai tous les Itildin. Donc faisons le poème, récupérons le matos craqué. Et voyons ce que ça donne. Alors, le beau Mordor sommeille prisonnier de la nuit. Empoisonné de vipères, de conflits et de douleurs. Non. Ni de vipères. Ni de vipère, de conflit et de douleur. Empoisonné par la trahison et la déchéance. Piégé entre les mains glaciales de la mort. Mais voilà que le Seigneur de Lumière arrive et brûle tout ce qui est vil pour que le bien s'épanouisse. Voilà. Toc toc. Le beau Mordor sommeille. Prisonnier de la nuit, ni de vipère de confort, empoisonné par la trahison et la déchéance, piégé entre les mains glaciales de la mort. Mais voilà que le Seigneur de Lumière arrive et brûle tout ce qui est vil pour que le bien s'épanouisse. Dague du Seigneur de Lumière. Fais voir ça. 622. Oh là 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 là, j'avoue. Hein. J'avoue. Et elle est très très classe. Une très belle dague elfique. D'ailleurs, à ce sujet, l'épée du Seigneur de Lumière. Non, épée vengeresse. Non, bah, j'ai toujours pas l'épée du Seigneur de Lumière. Ce qui est dommage, somme toute. Parce qu'elle est stylée, l'épée vengeresse, mais. Oh putain, un orque. Très classe aussi ce couteau. Mais c'est la même apparence que l'autre! Oh, c'est de la merde! Oh, je suis dégoûté! Bon. On va la garder parce qu'elle est plus puissante, clairement, mais. Sinon, ce serait pas nécessaire. L'arc du Seigneur de Lumière, il est là. C'est juste son arc à l'ancienne. Moi, j'ai la version upgrade. Ok. L'armure, elle est là. Il faut vraiment l'améliorer parce qu'elle est chum. Mais pour ça, il faut recruter un colosse de level 40. Il faut donc être de level 40, minimum. Cape du Seigneur de Lumière, c'est juste une cape noire. Un dresseur de level 40. Putain, il faut les trouver aussi. Ah, je peux l'améliorer, attends. Bling, voilà, très bien. Je vérifie que je n'ai rien à améliorer au passage. Non, le couteau, il est bon aussi. Et mon épée, c'est mon épée de feu. Oula, oula, il est bugué. Il est bugué. Et ben, c'est parfait. Encore un. Comme quoi. Alors, du coup, les quêtes, on a fait tout ce qu'on pouvait faire ici, à part, bien sûr, sauver ses alliés, parce que c'est pas qu'ils se sont fait un petit peu écraser, aplatir et publiquement humilier. Il y a un avant-poste ici, mais j'avais pas tout fait. J'avais pas complètement vaincu toute forme de résistance en ce lieu. Apparemment, non. Mais écoute, chargeons-nous-en, aidons les alliés. Il reste encore des Gondoriens dans le Mordor. Ils ne survivront pas longtemps dans le Mordor. Farpètement. Ils vont mourir très vite. Par où je peux descendre de là où je suis? Par là. On va les déprimer en pétant leur statue. Si jamais je peux monter. Et s'il n'est pas Keblo comme la dernière fois. Non, qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est tellement buggé cette mécanique des statues.
Ok. Monte. Casse-la. Enfin. Impeccable. Ensuite, le bignou gondoréen. Pardon. Il est où, il est où? Il est où le bignou? Bah alors, il est où le bignou gondoréen? Il est où le bignou gondoréen? En plus, il est sur ma position, donc il est là. Merde, je l'ai raté, je le vois pas, je suis mauvais à ce point. Attendez, excusez-moi, j'essaie de repérer le bignou. Vous voulez bien arrêter de m'interrompre? Voilà. Le bignou, où est-il? Non mais... Alors, le bignou... Il est bel et bien en dessous. Il faut donc que je descende. Il doit y avoir une caverne, une grotte, quelque chose. Une issue fermée. Ah ah! Une grotte hantée. Dans laquelle on n'y voit absolument rien, parce qu'en plus il y a des araignées à la con, bien évidemment. Mais ce serait moins drôle. Alors, du coup. Non, malheureusement, cette grotte ne mène nulle part. Et du coup, je n'arrive pas à trouver le bignou, c'est pas grave. Je suis sûr qu'on le trouvera un autre jour. Il doit se situer, il doit y avoir un passage quelque part dans le flanc de cette montagne. Ou alors peut-être dans un autre flanc ou un puits là-bas. Martel! Oh! La technique préférée de Charles. Ouais, il doit y avoir un passage, peut-être une caverne, une colline, un creux, un escalier. Non? Non, bah non, très bien. Bon. Celui-là, il faudra la récupérer, mais il faut d'abord s'occuper de ça. Mais la grotte est sans doute à flanc de montagne. Hein. Bah, je peux pas le buter. Ah, mais non, c'est un. C'est un. J'ai complètement foiré mon coup, c'est pas grave. C'est un prisonnier, c'est pour ça que je pouvais pas le buter. Ok, très bien. Eh ben c'est parfait. Eh ben c'est parfait. Je vais t'apprendre le sens du mot sauvage. C'est Grom. C'est parfait, il est level 1, il a déjà essayé. Il a eu des problèmes. Allez, on les massacre. Boum. Boum. Ah merde, bien joué. Tac, on charge la barre. On charge la barre pour avoir la barre, une barre maximale d'élimination. Qui permet de faire une élimination brutale, ce qui va faire flipper les autres. Ah, ça flippe. Parfait. Du haut de son level 1. Apparemment, mes sauvages n'étaient pas si sauvages que ça, finalement. C'est pas grave, je vais remonter le niveau. Tu vas rien remonter du tout, tu vas juste mourir. Allez, du coup, hop, regarde, on se planque. De manière à ce que notre ami ne nous voie pas. Tiens, ils sont en mode... Ah
on en draine plusieurs de manière à se faire une petite force armée. On va même les faire flipper. Voilà. On les terrifie de manière à ce qu'ils s'enfuient. Et il est où? Il est là-bas, hein. Et il est loin, hein. On le tient. Meurtre! 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 Et voilà! Oh là 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 là. Sublime! Par contre, il tient son épée et plus sa dague. Donc, ça, c'est un bug classique, j'ai envie de dire, mais ils l'ont toujours pas fixé, ça. Et voilà! Il fallait arrêter de jouer avec lui, hein. Je joue trop avec mes orques. Après, ils restent et ils survivent et on s'attache. Et il faut pas s'attacher, c'est pas bien. Ces avant-postes ne nous facilitent pas la tâche. Raison de plus pour les neutraliser. Mais c'est fini, il n'y a plus d'avant-postes. Regarde ça, il n'y a plus d'organisation. Norscrow le viseur fait face à une matriarche ghoul avec de la chance. Venez, ghoul! Je vais tous vous massacrer! Oh, il a l'air chétif. Il a l'air chétif, donc on attend voilà, que la matriarque soit sortie. Et boum, c'est fini. Avec un bel angle de caméra. Voilà. Bravo, tu as réussi ton assassinat en utilisant le psychopouvoir, je suis fier de toi. Du coup... Du coup, j'aimerais quand même bien trouver l'entrée de cette grotte. Paraît-il est à flanc de montagne. Il est pas là. Ah, la voilà. Et c'est effectivement sur le côté. Très bien. Très bien, très bien. Ça va être autrement plus complexe de l'atteindre de plus. Parce qu'il va falloir passer du côté extérieur. Bon, c'est bien parce que du coup on va essayer de récupérer la... Voilà, l'artefact qui traîne ici. Hop. Facile. Les hommes et les orques se font la guerre depuis des siècles. De mémoire d'homme, la plus grande bataille des opposants a eu lieu près du long lac. Les hommes, avec l'aide des elfes et des nains, y affrontèrent les orques et les gobelins de la Moria. Les peuples libres remportèrent la victoire. Et certains disent même que les aigles des monts brumeux s'abattirent sur le champ de bataille, jetant les orques du haut des montagnes et des falaises. Cette histoire a sans doute été enjolivée. Je n'ai vu aucun aigle quand Minas Ithil est tombé. Mais il est vrai que nous avions Talion et ses étranges pouvoirs à nos côtés. Toute aide aurait été la bienvenue, même venue des cieux. Je n'ai vu aucune aide lorsque Minas Ithil est tombé. Bah peut-être parce que c'était de la merde. Hein? Peut-être parce que personne m'a écouté, hein? Et peut-être les aigles du mont brumeux sont plus qu'un mythe. Peut-être. Mais je doute qu'ils fassent le poids contre les drakes. Tout à fait. Alors pour l'atteindre, ça veut dire que c'est juste en face, là, sur l'espèce de plan, qui est derrière cette espèce de grande gel, de grande surface gelée. Donc pour l'atteindre, il faudrait que je réussisse à sauter. À sauter et peut-être à me téléporter. Moi, c'est au même niveau ou pas? Ouais, c'est au même niveau. Hein. Ça me dit à peu près le niveau où c'est. Ouais, très bien, ok. Ouh là là, stylé! Ok. C'est juste au-dessus de nous. Est-ce qu'il y a moyen de l'atteindre d'ici quand même ou pas? Est-ce que c'est quelque part dans ces grottes-là ou est-ce que c'est pas atteignable? Pas possible d'escalader ici? Non. Où suis-je? Je suis passé à travers la roche! J'y suis, je suis trop fort! Non, c'est pas là, c'est à 200 mètres au-dessus, j'y suis pas!
J'y suis pas. Quel dommage. J'y ai cru pendant une seconde, c'était incroyable. Pendant une seconde, on y a cru, c'était formidable, on a cru au but. Quel dommage. Imaginez une toile d'araignée, couverte de gouttes de rosée. C'est la toile du destin. Toutes les possibilités sont accrochées en équilibre. Mais lorsque le soleil se lève et que le vent souffle, les gouttes tombent et l'histoire se déroule. Un seigneur des ténèbres ou de lumière, la terre du milieu n'aura ni l'un ni l'autre. Je secouerai la branche jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Cette pauvre araignée ne voit pas les doigts qui la saisissent pour la mettre dans ma bouche. J'espère qu'ils ont couché. Hein. Ces visions ont révélé la vérité. À chaque fois, tu t'en moques. La vérité ? Je croyais en la vérité. Mais c'est une vertu corrompue entre les mains d'êtres comme Arachné et Sauron. Il marque un point. Il marque un point. Est-ce qu'il y a un autre truc que je peux choper d'ici ? Peut-être là, dans les montagnes qui séparent Sirithungal et du merdier, parce que c'est tendu, hein. Il faut réussir à grimper ces morceaux de glace. Oh, je sais vraiment pas comment y aller. Hein. Ou alors, il faudrait que j'ai la capacité d'invoquer un Drake. Mais ça, ça m'a l'air... compromis, pour dire du moins. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, soit je termine l'épisode ici, déplacement rapide n'est pas disponible. Pourquoi il est pas disponible? Il reste encore des Gondoriens dans le Mordor. Ils ne survivront pas longtemps dans le Mordor. Voilà, je pouvais pas voyager rapidement à cause de ce connard, maintenant c'est réglé. Voilà, très bien. On va quand même faire la mission et on va terminer l'épisode là-dessus. Ça fera un épisode long, c'est bien. On aura récupéré des bignoux. Vous aurez été satisfait. Voilà. 300 mètres d'un coup, ça fait plaisir. Bob, tu peux grimper sur la glace. Eh ben tant pis, on ira la prochaine fois. Hop. Oh mon Dieu. Un homme de pigmentation sombre dans une allée noire. Je suis Batman! Baranor? Homer. Vous êtes vivant. Comment vous m'avez trouvé? C'était facile. Vous laissez une belle piste d'orques morts. Ça oui, je les plante assez souvent. Et Idril? Elle a pu fuir Minas Sithil? Je l'ai perdue. Une embuscade. Nombre de nos frères ont été pris. Certains ont pu se cacher. Les armées de Sauron nous pourchassent toujours. Idril est pleine de ressources. Mais personne ne survit longtemps au Mordor. Nous pouvons l'aider. Il faut juste que je la retrouve. Et ce qui reste. Retrouvons-les tous. Certains de nos soldats ont été aperçus dans ce camp. Prudence. Le danger nous guette. Sauvons Antonin. Zoop! 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 Je ne vais pas affronter un homme qui bouge comme ça! Sur le côté! Allez, chute! Très bien. Il est libre! Antonin! Ça fait 2 jours que je suis attaché ici. Oh putain! 2 jours qu'il est attaché là, il a pas bu, il a pas mangé, mais il est prêt à se battre! Antonin le Gondoréen, bien sûr. Absolument invincible dans l'absolu. Multi-kill. Oulia. Sauvons Justinien le Gondoréen. Il est temps de massacrer de l'Uruk. Parfaitement. Et enfin, il manque Aurélien. Oh!
vois. Et voilà. Oh non, Aurélien, le gondoréen, il pleure, mais faut pas pleurer. Regarde, t'es libre. Merci, mes frères. J'avais perdu espoir. Ne perds jamais espoir. Tant qu'Antonin est avec toi, tu ne risques rien. Oh, le mal de dos. Ça va aller. J'aurais besoin d'une pause. Oh, il a un point de côté. Il faut faire vite. Une fois avec Idril, fuyez vers l'ouest. Commencer une nouvelle vie. J'ai déjà vécu deux vies. Ah merde. Je suis né dans la contrée d'Umbar. Un Naradrim. Non, ça se voyait pas. Ça fait très loin de Minas Sithil. J'ai été envoyé au Gondor par mon ordre en gage de paix. Mais les Aradrim avaient d'autres ennemis. Je devais rentrer, mais... lorsque j'ai eu 10 ans, j'ai perdu le contact. J'avais la belle vie à Minas Sithil. J'étais respecté. Heureux. Mais c'est fini. Alors c'est une troisième vie qui commence. La seule vie qui m'importe est aux côtés d'Idril. Ouais, c'est clair, ça pourrait être pire. Mais il faut d'abord la trouver. Mec, c'est trouver une waifu blonde, ça va aller. Nous la trouverons. En plus, t'auras jamais à gérer le beau-père. À part si t'es un traître, oui. Nos soldats servent d'appât aux Uruk. Enfin, les plus chanceux. Avez-vous réussi à sauver beaucoup de vos frères? Pas assez. Certaines semaines, on en perd autant qu'on en sauve. Oh là 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 là! Multi-assassinat et personne ne s'est rendu compte de rien. Emilien le Gondoréen, tu es sauvé. Je croyais qu'on était fichus. Ma famille vous remercie, Rodeur. J'avais dit Justin. Il me semble que j'avais dit Justin. J'ai peut-être pas dit Justinien. Justinien ou Justin, je m'en souviens plus. Mais tu es sauvé. Toi dont le nom se finit en 1. Oh là, oh là. Ça va? T'as des carences en vitamines? Faut prendre des... Oh bah non, c'est bon. Ah c'est ça, il a des carences en vitamine O. Des vitamines orc. Il faut qu'il en bute. Ça va aller mieux. Voilà. C'est bon, il est sec. Voilà. Séché. Il me laisse même de l'argent. Formidable de sa part. Oh yeah. Ils brûlent tous. Donc ils ne s'en remettront pas. Très bien, voilà qui fait le ménage. Adrien, le Gondoréen. Capitaine Baranor, on a fait tout ce qu'on a pu. Pitié. Maximilien, le Gondoréen. Il nous manque encore des hommes, Rodeur. On doit continuer à chercher. Ah, je commence à manquer de noms, hein. Où il est passé, ce nom? Allez! Il y en a un là. Astero. Oh, un paladin, il a l'air stylé. On va essayer de le choper. Tu ne peux pas venir à leur secours, car ils sont déjà condamnés. Tu ne peux pas gagner, car ton sort est déjà scellé. Tu dois accepter la vérité. La seule chose. Excusez-moi. C'est efficace sur les Ologai. Voilà. La seule chose qui est scellée... c'est ta jambe gauche. Oh. Je
petit meurtre. Craignez-moi. Oh là là, il utilise des ondes de choc et tout, ouais. Olé. Oh là. Oh, jambe gauche. Cette jambe gauche gelée de la peur. Voilà. Tu me sers. Accepte le nudisme. Tu es comme tout le monde sous ton armure. Tu es nu. Tu as un nouveau maître. Je te fais serment d'allégeance. C'est bien, et c'est dit poliment. Allez, en retraite. J'y vais. Mais non, il passe pas dans le feu. Pitié, vous avez gagné. Vous avez gagné. Alors j'ai Bastien, j'ai Sébastien, j'ai Romain. On va dire que t'es Romain. En plus t'as une tête de Romain. Allez, Romain, le gondoréen, tu es libre. Par l'animation foireuse. Souffrir. Voilà. Il y en a encore. Secourez le dernier gondoréen. Je vous dois la vie. Capitaine Baranor ? Karos. Il en reste d'autres ? Idril. Elle est vivante. Nous allions aux fosses de combat. Ils nous ont piégés. Elle a filé. Telle que je la connais, elle est partie par là. Elle est vivante ? Elle est vivante. Je n'osais l'espérer. Pas pour longtemps, faut qu'on se magne. Nous la trouverons. Ah, comme ça tu t'appelles Karos, toi, là-bas. Je vais être sincère, t'as plus une tête de Célestin. Hein. Enfin. Voyons voir. Ça m'insulte en bas. Hein. Ça m'insulte. Il y a des temples de la nécromancie, ça prie très très fort. Là, il y a juste un archer. Ouh, il aura jamais compris ce qu'il a affecté. Pour lui, c'était bien dommage. Où suis-je? On peut escalader la glace. Empoisonnera le cœur des... Bonjour! Ourier! Merci! Au revoir! Oui, on peut escalader la glace! À moi les délicieuses récompenses cachées, secrètes! Des artefacts gondoréens. Il est où? Oh putain, il y a même des infos sur la route et j'ai tout gagné, mon gars. Tu vois? On sait déjà toutes ces gars. Et on les a tous corrompus, sauf un, Borgul Gâché. Donc on va l'insulter. Parfait, il est vénère. Je sais pas comment j'ai fait pour l'insulter en prenant des informations sur le cadavre d'un gars. J'ai pissé dessus, on va dire. Et du coup, voilà. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de l'ombre du nudisme. Et moi, du coup, je vous donne cet artefact. Et on s'arrête là, chers amis. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, zou! Oh, qualitatif! Oh là 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 là. Oh, le bol! Cet artefact est un cadeau en provenance des rivages éloignés de l'autre côté du Gondor. Les longues plages de l'Enfalas. Le seigneur Golasgil nous a envoyé cette coupe de cérémonie contenant de l'eau du fleuve Morton. Et nous avons conservé l'objet bien après que toute l'eau se soit évaporée. J'ai souvent rêvé de visiter l'Enfalas. Je pense que cet endroit me plairait davantage que la capitale, Minas Tirith. La frontière prend trop de place en moi pour que j'apprécie la vie dans les terres centrales. C'est quand même un petit peu un cadeau de péteux, hein. Le mec, c'est basiquement le seigneur d'un endroit qui ressemble au Nil, parce qu'il est à côté de la rivière, du fleuve qui déchire tout, du coup il doit avoir des récoltes de malades, un décor de fou furent machaté et tout, il se dit, je vais faire un cadeau au seigneur d'à côté, je vais lui envoyer un bol, voilà, je vais mettre de l'eau de la rivière dedans, et c'est le meilleur cadeau du monde. Ça ressemble un petit peu à un cadeau art et déco quand même, hein. Ça ressemble un peu à un cadeau nature et découverte, hein. Je veux pas parler mal, mais enfin bon. Des bisous et à la prochaine, allez zou. Oh putain. En fait c'est un chapeau, oh, mais à l'envers.